Les ressources pédagogiques sont accessibles depuis le bouton « Accompagner les publics » dans la barre de menu. Vous pouvez accéder aux ressources directement par thématique ou par niveau. Pour ouvrir la bibliothèque complète, cliquez sur « Toutes les thématiques ». Vous accédez alors à une page proposant un outil de recherche vous permettant de trouver des contenus via des mots-clés. Vous préférez chercher par vous-même? Pas de problème. En bas de page, vous trouverez nos 5 catégories de contenus. Pour accéder au module, il suffit de cliquer sur une des catégories. Le système affiche alors tous les modules disponibles pour le thème choisi. Et en plus, on peut filtrer par niveau. Les modules apparaissent sous forme de cartes où vous trouverez un petit résumé du contenu et des liens cliquables vers différents types de ressources. Chaque module contient au minimum 3 ressources. Une trame d'animation, une formation interactive, une fiche résumée. La trame d'animation est un fichier PDF à destination du formateur pour l'aider à préparer sa session de formation. Combien de temps dure chaque activité? Quel matériel dois-je prévoir? Quelles questions dois-je poser aux participants? Toutes ces informations se trouvent dans la trame d'animation. La formation interactive est LE support interactif à utiliser pendant la formation. Projeté en grand groupe ou en individuel, le ou les participants pourront suivre vos explications sur ce support, ouvrir tous les éléments interactifs et faire les exercices directement intégrés à la page web et ainsi mettre en pratique les compétences abordées. La fiche résumée pourra être imprimée par le formateur et remise en fin de séance aux participants. On ne sait jamais, une petite piqûre de rappel pourra être nécessaire de retour à la maison. Enfin, certains modules proposent ce qu'on appelle des exercices ludiques, intégrés à la formation ou accessibles directement depuis la carte du module. Ces exercices proposent des scénarios inspirés de la réalité du quotidien et amèneront les bénéficiaires à s'exercer dans un contexte d'utilisation réelle pour faire un pas supplémentaire vers une prise en main des services en question. Vous utilisez souvent les mêmes modules? Ajoutez-les à vos favoris pour les retrouver plus facilement. Voilà, maintenant, à vous de jouer!